Alors mon projet de recherche, qui s'appelle PESTAL, vise à étudier quel est l'impact d'une exposition chronique à un cocktail de pesticides à des doses très faibles sur la survenue et le développement des maladies allergiques comme l'allergie alimentaire, l'asthme allergique ou encore la dermatite atopique. Alors mon projet aura un impact qui sera double. D'une part, il permettra d'approfondir nos connaissances sur l'impact de notre environnement et notre exposition à des produits phytosanitaires sur notre santé dans le contexte des allergies. Mais également, il permettra d'être un appui au pouvoir public pour pouvoir déterminer des doses tolérables d'exposition en prenant à la fois l'effet cocktail, mais également le risque allergique qui aujourd'hui n'est pas pris en compte. Le mécénat a permis bien sûr, de par un apport financier, de pouvoir réaliser toutes ces expérimentations, mais également il m'a permis de recruter de jeunes docteurs talentueux qui aujourd'hui font vivre cette recherche et leur permettent d'aller plus loin sur la relation entre alimentation, environnement et santé. Sans l'apport du mécénat, le projet serait encore, je pense, soit sous forme de résultats préliminaires, soit sous forme de projets écrits. Mais on connaît aujourd'hui la difficulté de pouvoir faire financer ces différents projets. Et donc, c'est vraiment un apport indispensable pour nous pour continuer.